se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner des progressions d'accords, des enchaînements d'accords, qui sont construits sur la gamme mineure naturelle, qu'on appelle aussi le mode éolien. C'est le sixième mode de la gamme majeure. Donc, le but du jeu, c'est que vous puissiez utiliser ces exemples pour composer et pour aussi vous faire des petites progressions d'accords qui vous permettent facilement d'improviser sur votre gamme mineure naturelle. Et sur la gamme pentatonique mineure, puisque pour rappel, la gamme naturelle, c'est la penta mineure à laquelle on rajoute deux notes, la seconde majeure et la sixte mineure. Donc, tous vos plans de penta mineure marcheront toujours sur votre mode éolien, sur votre gamme mineure naturelle. Comme souvent, quand on parle de la gamme mineure naturelle, ou du mode éolien, je vais vous donner des exemples en tonalité de La mineur. Donc, je vais vous donner une progression d'accord d'abord en accord ouvert, dans la tonalité de La mineur, par exemple La mineur Sol. Et ensuite, je vais vous la montrer, pour ceux qui ne savent pas encore directement les transposer, je vais montrer la même progression, dans la même tonalité, mais cette fois en barré. Donc là, par exemple. Comme ça, ça va vous permettre facilement ensuite de décaler cette progression dans toutes les tonalités. Donc là, par exemple, j'utilise le La mineur en barré case 5, en position de Mi, suivi du Sol en case 3, en position de Mi, donc position de Mi mineur, position de Mi majeur. Si je voulais jouer cette même progression en Si, j'aurais juste à décaler mes deux accords de deux cases vers la droite, puisque je les décale de deux demi-tons vers les aigus. Les positions de barré permettent aussi de bien repérer à quoi ressemblerait cette même progression en power chord, pour ceux qui veulent s'en servir en gros rock ou en hard rock, en métal, etc. Donc là, ça nous ferait. On est parti avec notre première progression. Notre première progression d'accord, ça va être un 1-6-3-7. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les accords issus des degrés 1, puis 6, puis 3, puis 7 de la gamme mineure naturelle. Donc là, en La mineur, on va avoir d'abord le 1, le La mineur, ensuite le 6, le Fa, le 3, le Do, et le 7, le Sol. Ce qui va nous faire. La mineur, Fa, Do, Sol. C'est cette progression d'accord-là que j'ai utilisée dans l'accompagnement du solo qui est en introduction de cette vidéo. Si je vous montre ça en barré, ça va nous faire La mineur, Fa, Do et Sol. Qu'on va faire, c'est un 1-7-6-6. Donc en La mineur, ça nous donnerait La mineur, Sol, Fa et Fa. Vous pouvez emboîter différentes combinaisons, comme là on est en train d'en voir,
pour être sûr d'avoir vos couplets et vos refrains, par exemple, qui sont tous dans la même gamme, qui sont tous construits sur la même gamme. C'est pas forcément ce qu'on veut tout le temps, mais parfois on veut. Globalement, ces accords 1, 3, 6, 7, on peut les mettre un peu dans n'importe quel sens. En mineur naturel, ils vont toujours plus ou moins bien marcher. Par contre, comme souvent, et ça dans n'importe quelle tonalité, majeur ou mineur, de n'importe quelle gamme, pour que l'oreille comprenne plus vite dans quelle tonalité on se trouve, c'est bien de commencer ou de finir, ou de commencer et de finir par l'accord 1, par l'accord de notre tonalité. Donc là, en l'occurrence, le La mineur. Ensuite, on va changer un petit peu, on va intégrer un nouvel accord. On va faire un 4, 1, 7, 1. Ce qui nous donnerait ici Ré mineur, La mineur, Ré mineur, pardon. La mineur, Sol, La mineur. Donc là, non seulement on finit par le La mineur, mais en plus on alterne, pardon, on alterne un accord sur deux avec ce La mineur. Donc là, on est bien sûr que l'oreille comprenne vraiment bien dans quelle tonalité on l'a. Ces progressions d'accords. Donc là par exemple, ça nous donnerait Ré mineur 7, La mineur 7, Sol 7 et à nouveau La mineur 7. Ça va être en première partie 1, 4, 7, 3 et en deuxième partie 1, 4, 7, 7. Donc on remplace simplement le dernier accord par un qu'on a déjà joué. Donc là, en La mineur, ça va nous faire La mineur, Ré mineur, Sol, Do et ensuite La mineur, Ré mineur et deux fois Sol. Par exemple, on peut utiliser les accords 1 et 4.
1-5. Ou mélanger les trois dans l'ordre que je veux. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous donne juste ces quelques exemples-là parce que le but, c'est pas de faire du copier-coller de toute une liste de progressions d'accords que je vous donnerai, mais c'est plutôt de vous donner quelques exemples qui vont vous permettre d'explorer et de trouver vous-même vos propres enchaînements d'accords pour faire vos compos et vos impros. Donc servez-vous de ce qu'on vient de faire là pour faire votre propre soupe. En attendant que je fasse une leçon, soit en vidéo, soit par écrit, sur l'harmonisation des gammes, pour ceux qui n'ont aucune notion harmonique, ou pas suffisamment en tout cas, pour construire eux-mêmes leurs accords à l'intérieur d'une gamme, c'est ça l'harmonisation d'une gamme, vous pouvez donc utiliser un peu ce qu'on a vu là, surtout les positions de barré, pour décaler ces progressions dans n'importe quelle tonalité. Comme je disais tout à l'heure, quand je vous donne, par exemple, une progression 1-4, donc La mineur, Ré mineur, on pourrait décaler cet enchaînement de positions dans n'importe quelle tonalité. Si je veux décaler ça en Do, je vais décaler mes deux positions de 3 cases vers la droite. Parce que j'ai un Do 3 cases plus loin sur la grosse corde. Évidemment, pour ça, de toute façon, comme pour tout ce qui concerne de près ou de loin l'impro ou la compo, il faut savoir trouver les notes sur le manche ou au moins sur les deux cordes graves du manche. Voilà. Avec ça, vous êtes tranquille, vous pouvez décaler dans toutes les tonalités et improviser dans toutes les tonalités en décalant vos positions de gamme. J'espère que cette leçon vous a plu. Vous avez été pas mal à me demander de faire un ou plusieurs cours sur les progressions d'accords et des exemples de progressions d'accords. Donc voilà, là c'est fait pour le mineur. Maintenant, je vais vous en faire une aussi pour le majeur. Et puis pour le reste, on verra peut-être un peu plus tard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le notifier en cliquant sur j'aime sur la page YouTube de la leçon. Et si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant à la chaîne coursdegrade.com sur YouTube. Vous pouvez aussi liker la page Facebook de coursdegrade.com sur laquelle on échange entre moi et les personnes qui regardent les vidéos et sur laquelle aussi je mets assez régulièrement des liens vers des guitaristes intéressants à regarder ou vers des articles ou des cours d'autres professeurs. Et bien sûr, vous pouvez toujours aller sur coursdegrade.com pour profiter de toutes les ressources gratuites qui sont téléchargeables dessus, les backing tracks, les diagrammes d'accords et de gammes, etc., qui vont de toute façon de pair avec toutes les leçons que je fais en vidéo. À bientôt et grattez bien !